Ne posez pas des questions maintenant, il n'y aura aucune réponse. Allez, vas-y, je t'en prie. Allez. Non, mais c'est parce que Cyril Gosbeau t'attend. Allez, Paga. Allez, relax. Allez, mon Paga. 3, 2, 1, ça tourne. Applaudissements, mesdames et messieurs. En direct de la cellule 208 du Fort Boyard, je vous demande d'accueillir l'animateur à la crinière d'or, celui qui fait craquer les seniors, Cyril Gosbeau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à toi qui nous regarde à la maison. Bienvenue dans votre jeu préféré. 1, 2, 3 et ça slime. Ce soir en prime, c'est slime, slime. Et ce soir, j'ai le bonheur d'accueillir Laurent. Je me suis laissé dire que vous êtes un ancien footballeur. Ouais, c'est vieux. Moi, je jouais quand c'était un noir et blanc. Et qu'on vous surnomme Paga. Paga, effectivement. C'est pas gagné pour trouver les réponses. Non, je pense pas. Franchement, c'est pas... Mon cher Laurent, si vous êtes là ce soir, c'est pour emporter cette clé. Voici les règles du slime. Et je vais vous poser des questions. Il faudra me donner deux bonnes réponses pour repartir avec la clé. Mais comme en plus d'être incroyablement beau, je suis incroyablement gentil, vous aurez un droit à l'erreur. Pour chaque question, vous aurez trois possibilités de réponse. La A, la B et... La C. Il a la fait C, des études. Pour chaque question, il faudra valider la réponse en appuyant sur le bon buzzer. Et là, si tu n'as rien dans la tête, tu en prends plein la tête. Je ne crois pas. Aujourd'hui, mon cher Laurent, vous avez trois thèmes à votre disposition. Oui. Le football. Les Laurent célèbres. Ou des questions pièges pour candidat naïf. Vous choisissez. Football. Vous ne choisissez rien du tout, car c'est la roue de l'infortune qui va choisir pour vous. Que l'infortune soit avec vous. Des questions pièges pour candidat naïf. Je suis désolé, Laurent. Le hasard a tellement mal fait les choses. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Attention, 1, 2, 3, et ça slime! It's time to slime! Première question. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il? Réponse A, un sens. Réponse B, deux sens. Réponse C, trois sens. Choisissez votre réponse. 3! Allez! C'est pas la bonne. C'est la bonne réponse, Laurent. Nous avons cinq sens. Si je suis privé de la vue et de l'ouïe, il reste l'odorat, le toucher et le goût. Effectivement, muet ne correspond pas à l'un des cinq sens. Il vous faut encore une deuxième bonne réponse pour décrocher la clé. Voici votre deuxième question. Après avoir goûté à un plat du chef Willy, vous tombez malade. Le père Foura vous recommande de prendre un cachet toutes les 30 minutes. En combien de temps minimum prendrez-vous 5 cachets? Réponse A, en 30 minutes. Réponse B, en 2 heures. Réponse C, en 2 heures et 30 minutes. Choisissez votre réponse. Allez, 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 allez. Vous avez choisi le buzzer C. Activez-le. Était en 2 heures, car le premier cachet que vous avalez, vous l'avalez immédiatement. Je suis con. Ce qui veut dire qu'il faut 2 heures minimum pour avaler les 4 autres cachets. C'est dégueulasse. Laurent, il vous reste une dernière chance de décrocher la clé. Allez, 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 mais c'est une horreur. Allez, vas-y, j'en ai dans la culotte. Je trouve que cette nouvelle coiffure en forme de chewing-gum est absolument délicieuse. Crois pas, franchement. Voici l'ultime question. Certains mois de l'année comptent 31 jours, mais combien en ont 28? Réponse A, 12 mois. Réponse B, 1 mois. Réponse C, ça dépend des années. Choisissez votre réponse. Alors, c'est bien un piège. Il veut aller au C. Il a que le C. Ouais, ils se disent, ils n'ont pas eu le temps de recharger. Ouais. Vous avez choisi la réponse C. Actionnez le buzzer. Pas ça, putain, ne faites pas ça. Putain.
Donne-moi là la clé. C'est encore une mauvaise réponse. La bonne réponse était 12 mois. Tous les mois de l'année ont forcément 28 jours. Je suis désolé pour vous. Mais je suis nul, quoi. Ça n'est pas Laurent, je crois qu'il faut immortaliser ce merveilleux moment. Une petite photo souvenir. Merci Laurent d'avoir joué avec nous. Plaisir, allez rejoindre votre équipe. C'est une catastrophe. Le slime a été plus fort que lui. Il n'avait rien dans la tête. Il s'en est pris plein la tête. C'était Slime, l'émission qui donne le smile. T'as pas vidé la porte. Ah, mais ça déconne, bon, franchement. Sérieux, franchement. Ma mère avait regardé ça, elle regardait tout le temps l'émission, quoi. On embrasse maman. Hein? Cette petite coupe rose te va très bien.